Bonjour, messieurs. Bienvenue sur le connecteur d'AVTFNR sans frontières. Je suis Mariana et il est Alexandre, mon copain. Je sais que tu connais Stuart Reed. Il est notre mentor et notre professeur. Il nous a recommandé pour travailler avec vous. Ah, d'accord. Vous devez savoir que je suis une personne plus importante. Donc, pourquoi est-ce que j'ai déroyé où je suis? Je vais raconter, ne t'inquiète pas. Dans notre organisation, nous aidons les animaux du monde. Je suis un vétérinaire, il est en chenille. Et il crée un médicament qui peut protéger et résoudre la malnutrition des équidés. Si vous voulez, nous pouvons vous donner de l'aide pour ça ou en général avec la santé des animaux. Oui, nous sommes des professionnels qui ont une construction académique très forte. Oui, monsieur, je pense que nous sommes les personnes plus formées et éduquées pour le travail. Nous avons 3 ans et nous étions à l'école Rochester. Puis, nous sommes allés au Collège d'Angleterre et moi, je fais mes études de vétérinaire. Et pendant mon temps à l'école, j'ai complété avec succès le cours AP de chimie, biologie et biochimie et en obtenant des résultats exceptionnels. Ah, pendant que je fais une ingénierie chimique. J'ai étudié pendant 5 ans et après, j'ai fait une spécialisation dans l'ingénierie de l'automatisation et du contrôle et ingénierie biochimique au Collège Polytechnique de Milan, où j'ai reçu un prix pour mon équipe d'investigation qui découvre les changements ou des molécules dans les systèmes sanguins aux chats et les possibilités au contrôle de la maladie des poux de chat. Puis, je suis allé à GSK par 4 ans et en Espagne pour aider dans la production des vaccins contre les VIH et les autres médicaments. J'ai fait un petit volontariat quand j'étais petite, 15 ans. Après mes études, j'ai fait une spécialisation dans les équidés à l'Université Royale des Vétérinaires de Londres et j'ai travaillé avec Andrea Martins. Au 300, j'ai connu un travail qui s'est fait dans l'Afrique et j'ai travaillé dans un sanctuaire au Zimbabwe. Finalement, j'ai travaillé avec une équipe d'investigation pour l'étude de la maladie de Fourbourg ou les chevaux de cœur en Miami, Florida. D'autre part, j'ai travaillé 3 ans dans Novartis, dans la production des médicaments contre le cancer et aider dans les problèmes cardiovasculaires. Et 3 ans dans Suétis, dans les recherches des médicaments pour réduire l'inflammation des chiens et des chats causés par la dermatite. Et sais-tu, depuis 2 ans, nous avons créé Vétérinaire sans frontières, une entreprise dont le but est d'aider, sauver et soigner tous les animaux au monde. Comme la plupart des entreprises souffrent de négligence ou de maltraitance humaine, l'objectif est de leur offrir un coup de main, puisque personne d'autre ne le fera. Oh, ok. Vous avez l'éducation pour recevoir mes aides, mais pour être un bon vétérinaire, on doit avoir des aptitudes et passions pour le travail. Parlez-moi de vous comme personne. J'adore faire de vos âges. Je pense que la meilleure manière d'utiliser le temps est vos agents. Et pour cette raison, je peux travailler dans beaucoup de lieux. Aussi, par la formation que j'ai, je suis une personne très flexible. Donc, je peux travailler avec des autres personnes et m'adapter dans un groupe de personnes. Moi, je peux travailler dans une équipe aussi, mais avec ma détermination et résilience pour le travail, je suis un leader. Mais les choses qui me distinguent sont mon créativité et mon amour pour la science. Pour cette raison, j'adore faire de la recherche dans les laboratoires où je ne peux connaître plus les raisons que certaines choses passent. Maintenant, un peu plus de ma vie personnelle. J'aime faire du sport, je joue au skate et je fais des natations. Et si j'ai un peu de temps, je vais au gym. Vous devez savoir aussi que j'ai une entreprise rentable d'élevage des chevaux d'élite qui a contribué en partie au financement de mon projet scientifique vétérinaire. Et comme Alexandre, je pratique de la natation aussi, mais je pratique ça depuis que j'étais petite, donc dans ma vie, je n'ai reçu plus de médailles. Donc, nous aimons faire des promenades avec des chevaux et aussi faire de la cuisine pour les animaux et les personnes. Parce que nous aimons notre travail, nous n'avons pas de famille. Oui, monsieur, je suis mariée au travail et je sais que nous pouvons travailler très bien ensemble. Je peux parler anglais, espagnol et japonais si vous avez besoin. Moi, je peux parler l'italien également. Et je vous offre ma connaissance de la science animale aussi. En conclusion, monsieur, à mon avis, nous sommes l'équipe
appropriée pour travailler avec vous. Si vous nous choisissez, j'ai ce qui nous feront les compléments parfaits à vos projets.